Voilà que cette histoire, c'est incroyable, tu vois. Moi, je m'en bats les couilles des gens, j'ai rien à prouver, tu vois. Mais certaines critiques. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marc Blatta qui s'exprime en pleurs après que sa femme ait accumulé de nombreuses critiques après avoir mis le voile, puis retiré et remis à nouveau. Vous l'ignorez peut-être, mais c'est à la suite du retrait du voile de l'influenceuse Soukaina Two Sister que la toile s'est enflammée en critiquant le choix de la jeune femme qui, selon les internautes, aurait joué de la religion, qui a donc mené l'influenceuse en top tweet France actuellement. Et qui dit buzz, dit Marc Blatta qui a réagi en larmes et apporte tout son soutien à la jeune femme et rappelle que sa femme, Nadia Blatta, aurait été aussi victime de nombreuses critiques face à ce choix. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne plus rater des prochaines vidéos et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. J'espère que vous allez bien, je voulais faire une petite story en particulier pour une influenceuse que je ne citerai pas parce que j'ai pas envie d'exposer ses péchés, mais c'est elle-même qui l'a dit sur ses réseaux, qui a dit qu'elle allait retirer son voile, etc. parce que ça commence à devenir trop dur et qu'elle recevait beaucoup de critiques et que c'était jamais bon pour les gens, machin, etc. Donc, étant donné que Nadé a vécu ça également et qu'il y a quelque chose que je ne savais pas, mais qu'il y a énormément de femmes qui sont voilées aujourd'hui et qui ont vécu ça, j'aimerais lui adresser quand même quelques mots. Sachez une chose, la famille, hein, c'est que le voile, ce bout de tissu incroyablement léger, mais tellement lourd de conséquences, tellement lourd, je crois que c'est l'habit qui pèse le plus lourd dans les poitrines. Vous savez, pour une femme voilée, surtout quand elle est jeune et séduisante, belle, tout ce que tu veux, quand elle est encore potable sur le marché, t'as compris, c'est extrêmement dur. Parce qu'elle dit au revoir à sa beauté, les cheveux c'est la beauté, tu vois, même si elles ont des beaux visages, etc. Tu vois, ça fait partie d'un tout. Et en fait, elle se dit, voilà, je dis au revoir à ma féminité, à ma beauté, etc. Et du coup, il y a une frustration qui peut apparaître. Alors sachez une chose les filles, mesdemoiselles, mesdames, celles qui sont peut-être prêtes à se voiler dès demain, dès aujourd'hui, etc. Vous avez les célibataires qui cherchent un mari mais qui préfèrent se voiler en étant célibataire, et t'en as d'autres qui se voilent étant mariées. Pour celles qui sont mariées et qui se voilent, là je vais m'adresser au mari de ces femmes-là, faites très attention à vos yeux. Surtout dans les débuts où votre femme se voile, elle regardera directement dès que vous regardez une femme, etc. Et si vous lui faites sentir que telle fille est jolie, etc., ça va pas le faire. Vous allez pas l'encourager à garder son voile parce qu'elle va se dire « il y a d'autres femmes qui ne sont pas voilées qui attirent mon mari ». Alors même si c'est une vérité, peu importe, faites des efforts. Redoublez de compliments envers elle. Dites-lui qu'elle est encore plus belle avec son voile et que vous l'aimez encore plus, etc. Vraiment, vraiment, je crois que c'est l'un des moments où votre femme a le plus besoin de vous dans votre vie. Ensuite, pour les femmes qui veulent se voiler sans être mariées, j'ai tellement d'admiration pour vous, j'ai tellement de respect, je sais pas quoi dire. Après, le voile ne fait pas tout, hein, je suis d'accord avec vous. Il y en a beaucoup qui me diront, ouais, c'est pas parce qu'elles sont voilées que, bah, déjà, faites-le. C'est pas parce qu'elles sont voilées qu'elles sont parfaites, mais c'est quand même un très grand pas. Je te le dis, frérot, c'est facile de se dire, c'est un peu comme les mecs qui disent, je vais faire mon hajj quand je serai vieux, quand j'arrêterai de faire des péchés, etc. Les mecs un peu perdus, quoi, qui disent des trucs insensés. Comme je vais mettre mon voile quand je réveille, tu sais même pas si tu vas vivre, tu sais même pas si tu vas pas mourir tout à l'heure, demain, tu vois. Et puis, c'est tellement beau de voir une femme qui… Bon bref, on va pas rentrer dans les débats, mais quoi qu'il, je vais recadrer ça par rapport à cette influenceuse-là. Sache une chose, ma sœur, c'est que vraiment, 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 si ce pas-là, tu l'as fait une fois, tu le referas deux fois. D'accord? Et ne te dis pas… voilà, je l'ai fait, je l'ai enlevé, j'ai honte de le remettre, etc., etc. Tu vois, tu le fais pour toi. Personne normalement devrait te juger. Il y a des gens qui n'ont même pas essayé de le mettre une fois. Dis-toi que tu as fait un grand pas déjà dans l'islam. Quand je regarde certains rappels de nos frères, ça me fortifie la foi. Et des fois, quand j'écoute certaines musiques ou que je fais certaines choses, je me dis, ça me fait baisser ma foi. Tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, quand cette fille-là qui a voulu se voiler et qui s'est voilée, et qui a regardé certains de vos commentaires, je dis vous, je vous vise pas, hein, je dis juste que les commentaires sur la toile, malheureusement sa foi a baissé et elle a décidé de l'enlever.
tout cas, je ferai des doras pour toi, ma soeur. Inch'Allah que tu le remettes. Mais n'attends aucune gratitude de la part des êtres humains. Ta seule récompense se trouve auprès d'Allah Azzawajal. Donc voilà, peu importe ce que diront les gens, tu le fais pour toi en priorité. En espérant que ton mari t'aide au maximum de ce qu'il peut, tu vois. Et sache une chose, c'est que vraiment, on est en vacances ici. On est en vacances. Le temps nous est compté. Voilà, c'est pas. T'as tout ce qu'il faut. T'as ton mari, t'as de l'argent. Et je vais m'adresser à ma femme, évidemment, puisque cette histoire me fait énormément penser à elle. Je vais essayer de pas pleurer sur la tête de ma mère parce que. Wallah, que. Wallah, que cette histoire, c'est incroyable. Tu vois. Moi, je m'en bats les couilles des gens, j'ai rien à prouver, tu vois. Mais certaines critiques, en fait, j'ai mal pour mes sœurs qui veulent, tu vois ce que je veux dire, qui veulent avancer dans leur jean et qui malheureusement écoutent ces gens-là. Parce que quand vous mourrez, mes sœurs, il n'y aura personne pour vous. Voilà, il n'y aura personne pour vous. Faites ce que vous avez à faire et qu'Allah vous guide tous.